Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, pour rappel, le Dungeon Burn est une technique qui va nous permettre de non seulement nettoyer la peau, apporter le volume à une image ou encore même avoir plus de précision, de détails dans les cheveux. Donc, le Dungeon Burn est vraiment une technique qui est très polyvalente. Alors, mais avant d'appliquer cette technique, nous devons savoir comment la créer. Donc, dans cette vidéo, nous allons essentiellement utiliser trois méthodes de création de cette technique. Et à la fin de la vidéo, vous allez devoir en choisir une seule technique pour le reste des capsules. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir que le choix sera très clair. Alors, je vous montre tout ça sur mon ordinateur. Alors, pour montrer les trois techniques, je vais ouvrir une des images que vous avez à télécharger. Donc, nous en prenons l'image 1. OK, nous en prenons le dossier PSD. OK. Donc, nous allons ouvrir. On va faire OK. Donc, voilà. Donc, nous allons voir la première technique. Donc, n'oubliez pas, le Dungeon Burn, c'est éclaircir et assombrir. Donc, nous allons voir c'est quoi la première technique qui va nous permettre de le faire. Donc, la première technique, OK, c'est la technique où nous allons utiliser ce qu'on appelle l'outil densité. Dans l'outil densité, lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez voir qu'il a deux variantes, c'est-à-dire outil densité moins et outil densité plus, d'accord. L'outil densité moins, juste vous allez voir que ça va apporter de la lumière, et l'outil densité plus va essayer d'apporter un peu plus d'ombre, d'accord. Donc déjà, n'oubliez pas de dupliquer cette image. Donc CTRL J pour dupliquer l'image. OK, donc on va appeler ça Dungeon Burn. Ensuite, nous allons voir comment fonctionne l'outil OK densité. Donc, vous allez voir que lorsqu'on sélectionne l'outil densité, vous allez voir ici la barre d'options de menu propre à l'outil, d'accord. Vous voyez ici que nous pouvons atteindre les gammes des tons foncés, des tons moyens et des tons clairs. Et vous allez voir que l'exposition ici est notée en pourcentage. Donc, l'exposition ici, c'est un peu comme un mélange entre l'opacité et le flux, on ne sait pas vraiment c'est quoi. OK, donc nous allons le mettre à 8% juste comme ça pour avoir des modifications assez fluides, d'accord. Donc vous allez voir que lorsqu'on clique droit, nous avons aussi ici la dureté, OK, et l'épaisseur du pinceau aussi, un peu comme le pinceau, OK, d'accord. Donc, ce que nous avons fait, nous avons essayé d'apporter un peu de lumière, OK, sur la peau du modèle dans les endroits un peu manquants. Donc, nous allons choisir densité moins, d'accord. On va augmenter la taille du pinceau. Donc, pour augmenter, vous savez, c'est Alt, clic droit, le 2, maintenu, et vous essayez de bouger de gauche à droite, augmenter la taille, OK. Et là, on va apporter un peu de lumière dans les yeux ici. Voilà, un peu de lumière. On va apporter le volume au bras. Donc, n'oubliez pas, pour apporter du volume, il faut accentuer les ombres et mettre plus de détails dans les hautes lumières. Donc, pour les ombres, nous allons aller dans densité plus. Donc, on va renforcer les ombres comme ceci. Ici aussi, voilà. Ici aussi, on va renforcer un peu, très légèrement, voilà. Et là, vous allez voir que si je choisis densité moins, je vais apporter plus, OK, de lumière dans les hautes lumières ici, comme ceci, voilà. À l'endroit ici aussi, un peu plus de lumière, voilà. Et là, quand je fais un avant après, vous voyez au niveau des bras du modèle que nous avons apporté du volume, OK. Vous voyez que le bras est un peu plus gros, mais nous avons juste apporté plus de volume, d'accord. Bon, le problème avec cette technique, c'est-à-dire la création de ce Dungeon Burn avec l'outil de densité, c'est que je n'ai pas le contrôle sur la modification que j'ai apportée. C'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, je n'ai pas l'outil flux et opacité que nous utilisons d'habitude. Et aussi, je ne peux pas modifier, c'est-à-dire que le calque est là, je peux faire juste un avant après. Mais si je dis que bon, les parties où j'ai apporté plus d'ombre, j'ai bien envie de les accentuer, je ne peux pas le faire. Je n'ai aucun contrôle. OK. Donc, ce qui va nous amener maintenant à la deuxième technique. D'accord. Donc, je vais supprimer le calque. Et nous allons passer à la deuxième technique. La deuxième technique est la création d'un calque
calque gris 50%. Alors, comment créer un calque gris 50%? Je sais qu'on en avait parlé dans les capsules précédentes, mais nous allons encore le faire une fois. Donc, nous allons cliquer sur calque nouveau et choisir calque. OK. Donc, nous allons le renommer gris 50%. OK. Et au niveau du mode, nous allons choisir bien sûr lumière tamisée comme mode du calque. Et nous allons surtout cocher ici couleur neutre pour le mode lumière tamisée gris 50%. Donc, le fait de créer un calque gris 50%, c'est que nous n'aurons pas, lors de nos modifications, affecté les couleurs de notre image. Enfin, pas trop. Mais étant donné que nous avons une lumière tamisée, il se peut que nous ajoutons du contraste dans l'image, ce qui va créer un peu de couleur. Mais vous allez voir tout de suite comment ça va se passer. Donc, autrement, au premier, nous n'allons pas utiliser l'outil densité. Non, nous allons juste utiliser l'outil pinceau. OK. Et ici, assurez-vous d'être dans une configuration noir-blanc. Si vous n'êtes pas dans cette configuration, alors appuyez sur la touche D de votre clavier. Voilà. Et pour intervertir entre les deux modes, appuyez juste sur la touche X de votre clavier. D'accord. Donc, le blanc va juste ajouter de la lumière et le noir va juste ajouter de l'ombre, tout simplement. La particularité avec cette technique, c'est qu'on revoit enfin nos modes préférés, c'est-à-dire l'opacité et le flux que nous connaissons très bien. C'est déjà un bon avantage. Alors, je vais rester un flux de 1%. Je vais rester une dureté de 0%, d'accord. Et nous allons faire la même chose. Donc, je vais apporter un peu de lumière ici parce que tout cas, beaucoup d'ombre, on ne voit pas bien les yeux du modèle. Donc ici, je passe à blanc en avant-plan. Okay. Et là, je vais passer un peu, voilà, du blanc. Vous voyez un peu, c'est ça. Ensuite, au niveau des ombres, on va encore renforcer le bras de notre modèle pour lui donner un peu plus de volume. Donc, on repart ici à noir. Et là, nous allons essayer d'accentuer un peu plus le noir comme nous avons fait dans la première technique. Donc voilà, on va accentuer pour créer plus de volume. Voilà. Un peu ici. Voilà. Et vous allez remarquer que lorsqu'on essaye d'apporter un peu plus de noir, c'est-à-dire d'obscurité dans l'image, okay, nous agissons un peu sur la saturation. C'est tout à fait normal parce que c'est un cas 18% avec pour mode de fusion lumière tamisée. Donc, c'est un mode de fusion qui fait partie de la zone des modes de fusion de contraste. Et n'oubliez pas, je vous ai toujours dit que le contraste apporte de la saturation. C'est pour ça. Que dans mes anciennes retours, vous allez voir que lorsque j'augmente le contraste, ce que je fais après, c'est de diminuer la saturation parce que le contraste va vous apporter de la saturation. Donc voilà l'un des problèmes qu'on a avec le calque gris, gris 50%. Donc je vais passer à blanc, et on va faire aussi rehausser un peu les blancs, pour donner un bon volume. Voilà. Donc, lorsque je vais faire un avant-après, vous voyez que le bras est un peu plus solide, un peu plus rugueux parce que nous avons haussé les noirs et haussé aussi les hautes lumières de notre image. Mais comme vous l'aviez vu, lorsqu'on essaie d'apporter un peu d'ombre, nous avions ce problème de saturation. D'accord? Un problème qu'on peut régler, ça ce sera un sujet d'une autre capsule. Mais je tenais juste à vous dire que cette méthode apporte quand même de la saturation dans son exécution. Donc, on va passer à la troisième technique maintenant qui va régler le problème de saturation. Donc, je vais aussi supprimer ce calque et nous allons passer maintenant à la troisième technique. La troisième technique, c'est la technique des courbes. Donc, je rappelle, la première technique nous empêchait d'avoir une flexibilité dans la retouche, c'est-à-dire de modifier après que l'on a appliqué le dodge and burn. Et nous n'avions pas aussi accès aux différents modes comme l'opacité, le flux. La deuxième manière nous permettait d'avoir l'opacité, le flux. Par contre, lorsque nous appliquons du noir, nous avons un problème de saturation. Donc, nous allons voir maintenant ce que la troisième technique va nous apporter. Donc là, je vais créer deux courbes. Donc, je vais créer la première courbe. On va l'appeler Dodge.
et la deuxième, on va l'appeler burn. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord nous occuper du dodge. Rappelez, le dodge, ça veut dire éclaircir. Donc, je vais venir sur la coupe, je vais éclairer légèrement mon image comme ceci, vous voyez, et je vais masquer l'effet. La deuxième courbe aussi, je vais venir sur la courbe, je vais faire le burn, donc diminuer un peu. Et je vais aussi masquer l'effet. Donc là, nous avons le dodge que nous avions pris pour éclaircir et le burn que nous avons pris pour assombrir. Mais nous avons masqué les deux effets. Donc c'est comme si nous n'avions pas appliqué une modification sur la courbe, étant donné que les deux effets sont masqués par des masques de fusion. Donc, on va sélectionner les deux, CTRL, je clique sur le deuxième, je fais CTRL G pour faire un groupe et je vais l'appeler Dodge and Burn. Là, nous avons notre Dodge and Burn. Je mets le G, Dodge and Burn qui est présent. D'accord, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que vous allez voir que lorsqu'on ouvre, nous avons notre Burn et notre Dodge, n'est-ce pas? Donc, c'est correct, nous avons notre Dodge and Burn. Donc, ce que nous allons faire cette fois-ci, c'est que pour apporter de la lumière à un endroit, nous allons juste sélectionner dans un premier temps notre dodge parce que c'est lui que nous avons utilisé pour augmenter la lumière. Et nous allons sélectionner le masque de fusion. Nous allons prendre notre outil pinceau. Okay? Nous allons choisir cette fois-ci le blanc. Le blanc sera la même chose pour les deux. Okay? Nous allons être à un flux d'1% à une opacité de 0% pour l'instant. Nous allons essayer d'appliquer le dodge. Donc le dodge c'est de la lumière, donc nous allons essayer d'accentuer la lumière, voilà, dans les côtés où nous avons les hautes lumières de notre image comme tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'est pour créer le volume au niveau du bras, mais on peut aussi effacer la tache au niveau de la joue ici, d'accord. Voilà, un peu comme ceci. On peut aussi, un peu enlever la petite tache qui est juste en dessous des fesses, comme ceci, au niveau de la cuisse. Voilà, ici aussi, il y a une petite tache qu'on peut juste enlever comme ça. Et comment l'enlever? C'est que nous avons appliqué de la lumière, comme je vous ai montré, d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé une tache ici, on a enlevé des tâches ici en apportant de la lumière. Lorsque je fais un avant-après, vous voyez que au niveau des cuisses, les tâches ont été enlevées. Au niveau du visage aussi, mais au niveau du bras, ce n'est pas des tâches, on veut appliquer un volume. Donc, nous n'avions pas fini au niveau du bras. Pour appliquer le volume, il faut apporter aussi les ombres. Donc, nous allons aller sur le burn. On sélectionne le max de fusion du burn. Et là, nous allons accentuer un peu d'ombre dans les parties où nous avions déjà de l'ombre. Okay. Donc on en fait ici aussi. On ajoute aussi ici pour renforcer un peu l'épaule. Voilà. Ici on met un peu d'ombre sur les côtés pour donner plus de volume à la cuisse. Voilà. Et c'est bon. Là, je fais un avant-après aussi du burn. Vous voyez. Là, nous avons ajouté un peu d'ombre. Et là, on va faire maintenant un avant-après du dodge and burn total. Donc, on fait comme ceci. Vous remarquez au niveau du bras qu'on a ajouté du volume. OK. Donc, voilà. OK. Maintenant, la différence avec les deux autres techniques, c'est que là, on peut avoir du contrôle. Du contrôle comment? Imaginons que je me dis que mon burn n'est pas assez puissant. Okay? Donc, je peux venir sur la courbe du burn, c'est-à-dire celle-ci, et descendre encore ma courbe. Donc, vous allez voir que j'ai un contrôle, c'est-à-dire que je peux apporter plus d'ombre en descendant plus la courbe. Là, j'exagère un peu et je peux l'enlever aussi. OK, donc c'est ça qui est vraiment très intéressant lorsque vous utilisez les courbes, c'est que même après avoir appliqué le dodge ou le burn, vous pouvez quand même accentuer celle-ci. Donc on va venir sur le dodge aussi
et là on va plus augmenter les hautes lumières. Voilà. Donc lorsque je fais avant après, vous voyez clairement la différence. Vous voyez que les cuisses ont plus de volume, d'accord. Vous voyez qu'au niveau des mains, bon là j'ai exagéré un peu, hein, mais je vais diminuer tout à l'heure. Mais vous voyez qu'au niveau des mains, nous avons plus de volume, ok. Et vous voyez que au niveau du visage, nous avions enlevé la tache, ok, qui était présente, ok. Donc voilà un peu comment on fait le Dodge and Bug. Donc ne vous inquiétez pas, vous auriez compris que dans les capsules qui vont venir, c'est bien évidemment cette technique que nous allons utiliser. Donc dans la prochaine capsule, nous allons voir comment automatiser cela pour que vous n'ayez plus à faire chaque fois cette technique. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà en gros comment créer le Dodge and Bug. Vous l'aurez compris que la méthode des courbes est une méthode qui va nous permettre d'être plus fluide et plus vraiment précis dans notre retouche, en fait d'avoir quelque chose de très flexible. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça me ferait un plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas aussi d'aller dans le groupe pour non seulement suivre les lives ou peut-être donner quelques réalisations que vous avez eu à faire après avoir vu les capsules jusqu'à maintenant. Si vous voulez m'écrire en privé, ne vous inquiétez pas, écrivez-moi sur mon email personnel et ça me ferait un grand plaisir aussi de vous répondre. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!